برگرد و پس بده تنهای مرا. Bonsoir, aujourd'hui c'est mardi 7 janvier 2020. En Iran, les funérailles du général Soleimani tournent à la tragédie. Une bousculade a fait plus de 50 morts mardi lors des funérailles du général iranien Qassem Soleimani, dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran. Il s'étend venu rendre hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 janvier à Bagdad, en Irak, par un tir de drone américain. Un cri de « Mort à l'Amérique », une foule immense a envahi. Mardi 7 janvier, la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, peut participer à ces funérailles. Mais la procession funéraire a tourné à la tragédie après une bousculade ayant fait plus de 50 morts. Selon l'agence de presse officielle iranienne ISNA, citant le chef de secours de la ville, 212 personnes ont été également blessées dans le drame, dont un petit nombre est dans un état grave. L'inhumation du militaire qui devait avoir lieu dans l'après-midi a par conséquent été reportée, a fait savoir ISNA. Le centre de Kerman, ville natale du général Soleimani, a été envahi dans la matinée par une marée humaine, semblable à celle qui avait déferlé dimanche à lundi à Téhéran, Avaz Ouest, Khan Centre et Mashhad Nord-Est. Oh! Où les secours les Soleimani et des ex-compagnons d'armes tués avec lui ont reçu un immense hommage populaire. Pas de compris, pas de soumission revanche, ont scandé des habitants de Kerman vêtus de noir. Au passage du cortège, la foule se déplace lentement, lançant des écharpes sur les camions transportant les dépouilles du général pour recevoir la bénédiction du martyr. Soudain, alors qu'il passait à la possession, des personnes ont été poussées par la foule dans une allée, a raconté à l'agence France Presse Ali Salih, qui a survécu à la bousculade. Le feu a alors écrasé des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Il y avait tellement de monde dans la allée, ils ont été jetés les uns sur les autres avant de mourir, a-t-il relaté. Pour échapper à la foule, certains ont dû grimper sur les toits. Les gens se sont tellement pressés que j'ai dû m'enfuir. Mais une bicyclette a roulé sur mon pied et l'a cassée, a raconté la AFP Arsala Farsami Mokadan à l'hôpital de Kerman, où était affichée en fin de journée dans le hall une liste de noms de victimes. Figure très populaire en Iran, chef des forces occultes et unité de l'élite chargée des opérations extérieures, des gardiens de la révolution en face d'Aran. Qassem Soleimani était architecte de la stratégie de l'Iran au Moyen-Orient. Il a été assassiné vendredi sous ordre du président américain Donald Trump, entraînant une nouvelle escalade de tensions entre Téhéran et Washington, et faisant une guerre au Moyen-Orient. Vengeance. Pour Remat Degan, vétéran de guerre de 66 ans, Soleimani a été un grand homme. Nous ne pouvons pas tout être comme lui.
il est quasiment irremplaçable, a dit Soligné, clamant. Nous sommes toute Solomonie. Vengeance, la vengeance seulement, a-t-il déclaré. La revanche telle qui nous responsable la conserverons. Nous sommes tombés de notre cheval. Mais nous avons toujours nos principes. Vengeance, vengeance. Ce slogan a été repris encore dans la ville. En son des tambours, souvent les rythmes réservés habituellement aux célébrations du martyr de l'imam Hussein, une des figures saintes les plus vénérées du chiisme. Déployé sur les façades d'un centre commercial, une immense affiche appelant également à la vengeance. Les processus d'expulsion des États-Unis de la région a commencé. Pour sa part, lancé à la foule un général de division Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la révolution. Notre volonté est ferme. Nous disons également à nos ennemis que nous allons nous venger et que Gilles Pompin de nouveau, nous mettrons le feu à ce qu'il adore, a-t-il déclaré sous un ton énigmatique. Et même, savant bien de quel lieu je parle. Dans le même temps, le Parlement iranien a adopté en urgence mardi une loi classant toutes les forces armées américaines comme terroristes. Les députés ont amendé une loi récente qui le déclarait terroriste les forces américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale et passant par le Moyen-Orient. Le nouveau test atteint cette dénomination au Pentagone. Ensemble, les forces américaines aux responsables de l'assassinat de Soleimani et à toute personne physique ou morale impliquée dans sa mort. L'intérêt américain est en danger. Alors que les principaux dirigeants civils, religieux et militaires iraniens annonçant une vengeance terrible, les appels à la désescalade se multipliant dans le monde. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, qui devait assister jeudi à une réunion du Conseil de sécurité au siège de l'Organisation des Nations Unies, ONU, à New York, a déclaré avoir été informé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que les États-Unis lui avaient refusé son visa. Et les ministres des Affaires étrangères français, allemands, italiens et britanniques se sont réunis mardi à Bruxelles pour évoquer les conséquences de l'élimination de Qassem Soleimani. Mardi, lors d'un entretien téléphonique, le président iranien Hassan Rouhani avertit son homologue français que les intérêts américains au Moyen-Orient étaient désormais en danger et que ceux-ci ne peuvent échapper aux conséquences de ces grandes craintes. Emmanuel Macron a de nouveau appelé à abstenir de toutes mesures de nature à aggraver l'escalade en cours. Il lui a aussi demandé de se remettre rapidement en pleine conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire et demander la libération immédiate de deux chercheurs français, Fariba Abdelkaba et Roland Marshall, détenus en Iran depuis plusieurs mois. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a argué mardi que le président Donald Trump avait absolument les bases légales appropriées pour donner l'ordre de tuer Soleimani, défendant la légalité de toute action militaire future des États-Unis contre l'Iran. Il a aussi déclaré s'attendre à des représailles iraniennes. Confusion autour d'une lettre des États-Unis annonçant le retrait de leurs troupes en Irak. Les États-Unis ont créé de la confusion lundi 6 janvier en transmettant par erreur aux autorités irakiennes une lettre annonçant des préparatifs en vue du retrait de leurs soldats déployés en Irak. La lettre faisant la référence à un vote dimanche du Parlement irakien
exhortant les gouvernements à expulser les troupes étrangères d'Irak après la colère provoquée par la frappe ayant tué Gassan Soleimani. Il s'agissait à Gizat en fait d'un projet de lettre non signé, a déclaré le chef d'État major américain, le général Mark Milley. Ce projet n'aurait jamais dû être envoyé, a-t-il ajouté, évoquant. Une erreur commise en toute bonne foi. Mardi, le ministre de la Défense américain, Mark Esper, l'a assuré devant la presse. Notre politique n'a pas changé. Nous ne quittons pas l'Irak. Ce serait la pire chose qui puisse arriver à l'Irak, a réchéri le président Donald Trump. Toutefois, le premier ministre, ministre des missionnaires irakiens, Adel Abdel Mahdi, a confirmé mardi avoir reçu une lettre signée et très claire du commandant américain annonçant une retraite militaire. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a de son côté annoncé mardi la retraite temporaire d'une partie de son personnel de l'Irak. Notre sélection d'articles sur l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Chronologie. Comprendre l'escalade de la violence entre l'Iran et les États-Unis depuis 2018, en Suez Point. Portrait, le général Soleimani, tué par les États-Unis, était l'architecte de la puissance iranienne. Vue d'Iran, après l'assassinat de Qassem Soleimani par les États-Unis, des factions du régime iranien font bloc. Vue des États-Unis, a donné l'ordre de tuer Qassem Soleimani dans le temple choisit escalade face à l'Iran. Et analyse après la frappe américaine contre le général Soleimani, les craintes d'un plongée dans une nouvelle guerre. Les États-Unis, en mon opinion, ont commis un crime avec l'assassinat de Soleimani en Irak. Et si la guerre commence aujourd'hui, demain, les prochaines années, sera de la faute des États-Unis. L'Iran peut menacer l'Occident. Mais je pense que l'Iran n'a jamais pensé d'attaquer quelque pays au monde. Seulement sur menace. Mais les États-Unis a fait de tout pour provoquer d'escalade de la tension entre l'Iran et les États-Unis. Donc, à mon opinion, Donald Trump est un grand fou. Et je pense que si la troisième guerre commence, les États-Unis seront les uniques coupables de la mort d'innocents en Iran. Ou en quelque lieu au monde. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Un salut spécial à toutes les personnes en Iran. Que je pense que la situation peut changer pour la pire, non?
dans tout le peuple iranien. Et comme toujours, un autre salut spécial à le peuple d'Australie qui, hier, a fait un vidéo avec l'information des incendies terribles, catastrophiques en Australie. Et je suis triste. Il y a toutes les personnes qui parlent français au monde. Merci beaucoup à toutes vous et à demain avec autre intéressante nouvelle. Merci beaucoup mes amis. Bonne nuit à toutes. Au revoir.